d'Ivoire Chanel. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans certains pays d'Asie et d'Afrique, 80% de la population dépend de la médecine traditionnelle pour les soins de santé primaire. Le 12 septembre 1978 à Alma-Ata, plusieurs pays se sont rencontrés à l'occasion d'une importante réunion baptisée la Conférence internationale d'Alma-Ata. Cette conférence a produit une déclaration qui mentionne entre autres la nécessité pour tous les gouvernements d'élaborer au plan national des politiques, des stratégies et des plans d'action visant à introduire et à maintenir les soins de santé primaire dans un système national de santé complet. En Côte d'Ivoire, cette recommandation de la déclaration d'Alma-Ata s'est traduite par la mise sur pied du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, dont l'une des missions principales est de favoriser la collaboration entre médecine traditionnelle et médecine moderne. Il y a des chefs d'État africains qui ont décrété la décennie de la médecine traditionnelle. La première décennie, c'était 2001-2010. La deuxième décennie, c'est 2011-2020. Donc, une intégration parfaite de la médecine traditionnelle dans nos systèmes nationaux de santé. Et cette intégration, il y a un certain nombre d'actions à poser. Et ces actions-là, c'est l'ouverture des services de médecine traditionnelle dans les centres hospitaliers. Il y a encore quelques années, cela pouvait paraître utopique, mais aujourd'hui, grâce aux efforts conjugués des acteurs de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine moderne, la première unité expérimentale de médecine traditionnelle a pu voir le jour au sein même du centre hospitalier universitaire de Tresville. Mais dans un milieu qui compte un peu plus de 20 000 praticiens, c'est le naturothérapeute Abutu Kofi qui a la lourde tâche de hisser la médecine traditionnelle à un niveau beaucoup plus professionnel. Et l'on pourrait se demander comment s'est opéré ce choix. C'est écrit dans la Bible, demandez et l'on pourvoira. J'ai demandé et donc on m'a accepté. Est-ce que les autres l'ont demandé avant moi, qui n'ont pas été acceptés? Je ne crois pas. Moi, j'ai compris qu'à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, il faut demander. J'ai demandé et donc l'État a accepté que je sois là. D'abord, l'État m'a donné un certificat d'excellence, un an après mon inscription. Et ensuite, l'État nous a affecté des médecins, déjà dans le privé. Et aujourd'hui, l'État accepte que nous soyons au CHU pour que tous les médecins et professeurs qui sont au CHU puissent se mettre au service de la population à partir de ce qu'on leur propose comme thérapeutique. Nous avons fait une étude sur la collaboration médecine moderne, médecine traditionnelle. Dans le district d'Abidjan, 91% de la population utilise cette médecine-là, soit seule, soit de façon combinée. Donc, il faut encourager donc. Au lieu de ces papiers, il faut les orienter. Nous devons pouvoir nous retrouver partout comme cela se fait dans les autres pays. Ici, nous sommes en retard. La première unité expérimentale de médecine traditionnelle se doit de répondre à certaines exigences de qualité, ce qui explique la présence quasi obligatoire de médecins d'État auprès du tradipraticien de santé. En fait, ici, quand les patients arrivent, ils connaissent déjà leur diagnostic. Voilà, parce qu'ils ont quand même tourné un peu dans les hôpitaux. Donc, quand ils arrivent, ils ont déjà leur diagnostic en main. Donc ici, moi, en tant que médecin, j'essaie généralement de contrôler un peu. Parce que vous savez ce que les gens racontent autour de la naturothérapie. Voilà, les médicaments traditionnels sont hépatotoxiques, néphrotoxiques, tout et tout. Donc, moi, mon rôle ici, c'est justement de prescrire les examens paracliniques pour justement essayer de circonscrire tous ces problèmes-là. Même s'il est vrai que l'ouverture d'une unité de médecine traditionnelle au sein d'une institution sanitaire d'État témoigne du progrès considérable dans le processus de collaboration entre médecine traditionnelle et médecine moderne, point n'est besoin de célébrer la victoire, car bien de problèmes restent encore à résoudre. Le nœud de la guerre, c'est l'argent. Le programme de médecine traditionnelle a été créé. On a un budget de fonctionnement, un budget d'investissement, mais c'est insuffisant. Vous avez certains pays comme la Malaisie. On est autour d'un demi-million de dollars pour le développement de la médecine traditionnelle pour le secteur. Ici, je ne peux pas faire de comparaison.
puisque nous n'avons pas de moyens, nous traversons une grave crise. Donc, il y a ce souci d'augmenter notre budget. L'OMS, par le passé, a construit des instituts de recherche que nous appelons centres collaborateurs de l'OMS dans certains pays. Vous avez le Mali, vous avez le Ghana. En Côte d'Ivoire, nous n'avions pas pu bénéficier de cette expérience, de cet institut, parce que nous n'étions pas réellement engagés en tant que tels. Donc, il faut faire les tests. Vous avez les tests que nous faisons ici à hauteur de 2 millions de francs. Vous les avez, ces mêmes tests-là au Ghana, autour de 250 000 francs, 300 000 francs. L'intégration, c'est comme la vie elle-même. Hein. Un enfant qui naît ne marche pas le même jour. Et donc, l'enfant va être nourri, va tomber malade. Et puis, un jour, l'enfant va se lever, va marcher. Mais au départ, il y avait quelqu'un qui le tenait. Mais quand l'enfant devient autonome, les difficultés commencent. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, il faut pouvoir produire autant de médicaments pour recevoir tous les malades qui viennent. Ça veut dire que il faut embaucher du personnel et du personnel qualifié pour pouvoir produire les médicaments, par exemple. Mais comme le personnel n'a pas encore été formé, à ce moment-là, il faut faire toutes les choses en même temps que nous formons, en même temps que nous sommes à la production. Voici un peu, si on peut appeler ça difficulté, les difficultés que nous avons. Sinon, il n'y a pas de difficultés particulières qui nous empêchent. Mais nous, on n'attend pas que tout le monde nous accepte. Que ce soit dans votre propre famille, est-ce que tout le monde est content de vous? Et donc, chacun de nous, nous sommes comme les cinq doigts de la main. Chacun de nous fait son petit métier. Les acteurs de la médecine traditionnelle sont confrontés à d'énormes problèmes. Puisque aujourd'hui, la fédération n'est pas subventionnée. Nous avons besoin de tenir les réunions. Il faut mobiliser les membres à ce qu'ils viennent. Sans l'apport de l'État du Côte d'Ivoire, on n'a pas assez de crédibilité. Donc il faudrait que l'État puisse encore mieux encourager même les tradipraticiens à ce que ces tradipraticiens puissent prendre à bras le corps leur secteur d'activité. Et nous avons des brebis galeuses, et ces brebis, sans un code éthique et de déontologie bien approprié, sans un ordre de praticien de la médecine traditionnelle, nous ne pouvons pas avancer. L'épineuse question de la publicité tapageuse des tradis praticiens dans les médias est un sujet qui continue d'alimenter les débats. Je pense bien que depuis 2009, nous sommes sur le même problème de publicité tapageuse des praticiens de la médecine traditionnelle. Et on ne peut pas parler de programme national de promotion de la médecine traditionnelle, disons de promotion de la médecine traditionnelle, sans parler de publicité. Mais la publicité tapageuse n'est pas de mise. Mais il faut pouvoir régulariser cette publicité. Il faut pouvoir réglementer cette publicité. Mais je pense que l'interdiction n'est pas la solution. Nous avons des émissions que nous avions l'habitude de faire les matins bonheurs. Mais on ne peut pas censurer tout un corps. Dit qu'un corps ne peut pas, ne doit pas s'exprimer, sachant que le praticien de la médecine traditionnelle est un citoyen. Et dans les soucis de sécuriser la santé de la population, Madame la ministre a souhaité qu'il n'y ait plus de communication sur la médecine traditionnelle dans les radios de proximité. Depuis lors, c'est décrit. Dans le nouveau code de déontologie, dans le domaine de la médecine traditionnelle, c'est écrit qu'il faut éviter la publicité tapageuse. La publicité est même interdite en matière de santé. Néanmoins, la médecine traditionnelle, on peut l'inviter à présenter certains aspects qui pourraient intéresser la population. Nous interpellons les radios de proximité. Nous les avons rencontrées, mais nous sommes tous conscients que très souvent, la publicité des tradis rapporte quelquefois à 85%
du jumeau de Rajibo. Donc on a demandé que cela soit analysé, on a créé, on a signé un protocole d'accord. Pour la presse, c'est facile. Donc bientôt, je crois qu'on va signer avec les radios de proximité pour que la communication, le message publicitaire puisse être analysé par le programme. Et puis après quoi, le message sera validé en commission et plus tard pour passer sur les antennes. Voilà un peu ce qui est fait. Sinon, dans les règles, c'est interdit. Quoi qu'il en soit, l'on note que la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne a connu une amélioration significative au cours de ces dernières années. Et pourtant, selon le coordonnateur général du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, il faut aller plus loin. Puisque la médecine traditionnelle enseigne la phytothérapie dans les universités maintenant, il faut créer maintenant, j'allais dire, des unités de médecine traditionnelle. Le CHU de traditionnelle, c'est une expérience qu'il faut aller au-delà. Donc un projet de création dans les autres centres hospitaliers universitaires, même à l'intérieur du pays, dans les hôpitaux généraux, comme cela se passe en Chine, comme cela se passe en Inde, où nous avons la chance de visiter. Également, nous voulons, dans les perspectives, donc à court terme, c'est de mettre, éditer une pharmacopée, une varenne à base de plantes. Jusque là, on a des plantes, des monographies, qui sont élaborés, documentés, et cela, c'est de façon disséminée dans les laboratoires, au niveau des chercheurs. Donc, il faut les regrouper en un seul ouvrage, et c'est ce que nous tentons de faire. Bientôt, nous aurons l'atelier pour faire cela. À travers l'ouverture de la première unité expérimentale de médecine traditionnelle, l'État de Côte d'Ivoire marque ainsi son engagement officiel auprès de la médecine traditionnelle. Reste cependant aux tradis praticiens et aux naturothérapeutes de travailler efficacement à l'obtention de résultats dignes de la confiance de l'État. Nous devons tout mettre en œuvre pour que cela marche. Parce que si ça ne marche pas, comme on le dit, ça serait vraiment un échec total pour nous qui animons ce secteur-là. On a essayé d'éliminer la médecine traditionnelle, mais la tradition ne peut pas mourir. Dans la mesure où l'homme fait partie intégrante de la nature. Alors tout ce qui est naturel, l'homme s'intègre. Aujourd'hui, on nous a mis sur un piédestal. Maintenant, c'est à nous, médecins traditionnels, de démontrer que nous pouvons prendre la population en charge. Parce que s'il y a des maladies émergentes, on ne peut pas soigner. À ce moment-là, on a échoué.